Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous? Vous allez bien? On est mercredi et il est 8h40. Ouais, 40. Donc là, notre mercredi commence à 10h05, donc on a le temps. Mais là, je me suis levée un petit peu plus de bonne heure puisque je garde mon petit-fils ce matin. Donc on va faire un tour devant les fleurs. Regardez, ah, oh, ça sent trop bon. Ah, bah celle-là, elle s'ouvre. Ça y est, elle commence à s'ouvrir, celle-là. Là, elle devient, là, elle va plus tarder, je pense, demain. Et là, pareil. Mais là, ça sent trop bon. Comme vous avez dit, les fleurs, ça égaye la maison. Et mes tulipes, bah, monsieur, il dit que c'est la fin parce que les tiges, elles sont fort claires. Là, elle tombe, mais il dit c'est dommage parce qu'elle ne s'est pas ouverte en fait. Donc écoutez, je ne sais pas celle-là où elle commence, regardez. Mais les autres sont encore bien fermées. Hein. Regardez là, elle est encore bien fermée, je ne sais pas comment ça se fait. Tant pis, c'est comme ça. Alors, dehors, ben, il pleut, mes petits chats. Il pleut, bergère. Alors ben là, il a arrêté, mais il y a 5 minutes avant, ça pleuvait. Ah ben si, il continue à pleuvoir. Mais ça pleuvait bien, là, il y a 5 minutes en arrière. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Parce qu'on a mis des sapins, vous voyez. Mais quand on arrivait ici, moi, mes sapins, c'était tout petit, 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 petit. Parce qu'ils étaient dedans. Mais quand ils étaient dedans, ils ne poussaient pas. Du coup, on arrivait ici, on les a mis dedans. Mais le problème, c'est qu'ils prennent fort en ampleur et ils montent, ils montent. Et comme on va être bientôt le printemps, ils vont encore monter. Donc, et si on coupe la tête, vous voyez la tête là, c'est que ça va gonfler. Alors, ce que derrière, en fait, ce que je peux pas les doigts, enfin, ils poussent pas. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir, mais ils poussent pas de. En fait, pour vous expliquer, quand on était à l'autre maison, noyer les vermelles, ils étaient dans les pots et ils sont tombés malades. Ils étaient venus tout marron. Tu vois, comme là, ben là, je crois que c'est bizarre parce qu'ils sont marron, marron. Enfin, et on les a plantés et ils sont redevenus bien en fait. Alors attendez, c'est ça. Ouais, là, non, est-ce que l'intérieur, tu étais marron? Et quand tu les sens, ça sent le citron, tu sais. Enfin bref. Et monsieur, il dit, ben au pire, je vais les tailler. Mais comme je ne pousse pas derrière, vous le voyez, regardez. Et ils prennent que le devant. Et ils montent. Donc on ne sait pas quoi faire si on les enlève ou. Attendez, est-ce que mes pantoufles sont mouillées? Et si je me mets comme ça, peut-être que. Après, je sais pas si vous, vous ferez quoi, quoi. Vous voyez, regardez. Là. Et après, on les enlèverait, puis on planterait des autres trucs. Parce que monsieur, il a fermé, il a fait un genre de carré pour justement pour eux. Mais après, comme je dis, on peut les enlever, quoi, et mettre quelque chose. Donc, venez à mon aide. Voilà. Qu'est-ce que vous ferez, vous? Vous laisserez, vous. Je sais pas. Bon, je rentre parce qu'il pleut là. Hein. Moi, je vais prendre une douche. Regardez mes petites fleurs-fleurs. Petites fleurs-fleurs. Elle est bien la fleur de Noël, là, quand même. Allez, on rentre. Donc, voilà. C'était pour vous dire ça. Donc, là, je suis en train de dépendre mon linge. Alain, il va se lever. J'ai ma petite vaisselle à ranger. J'y avais commencé. Voilà, je donnerai un coup d'aspirateur. Donc pour Gabriel, mon balai Velleda, attends, je vais te le chercher. Voilà, il est comme ça, tu vois. Mais moi, je prends toujours avec le triangle comme ça, tu sais. Comme ça, je peux bien faire les coins parce que quand c'est plat, les coins, voilà. Donc là, c'est le réservoir, tu sais. Tu mets l'eau, hop, voilà. Là, c'est la vapeur, donc plus. Petite vapeur plus grande, donc tu c'est toi qui le règles comme ça, tu vois. Et puis derrière, tu as le bouton pour allumer, pour éteindre. Voilà, donc référence, ben, c'est Velleda, comme ceci. Donc tu le trouves partout, hein. Tu le trouves partout. Donc tu l'as en comme ça ou en plat, comme ça, là, tu sais. Mais moi, je préfère comme ça. Donc les serpillères, enfin les lavettes, je sais pas comment on appelle ça. Logiquement, moi je les mets à la machine, mais sans produit, sans rien. Donc je la mets à la machine, je les lave à 60 degrés. Ça dépend, s'ils sont forcés à le 60, sinon 40, quoi.
Mais parce que quand je les lave avec du produit ou quoi, hop, ça me fait plein de traces sur mon carrelage. Mais moi, j'ai un carrelage fort capricieux. Si... Je peux pas laver avec n'importe quel produit. Je peux pas utiliser. C'est comme l'autre fois, ma fille, elle avait acheté la serpillière. Moi, j'appelle ça serpillière feignant. À frange, là, vous savez, le bain Vileda. Vous m'étrempez dans le seau avec la pédale, là, tu vois. Et elle me l'avait prêté. J'ai dit, écoute, avant que je l'achète, passe-le moi, je vais l'essayer et puis on verra. Donc, je l'avais essayé, et ben voilà. Je l'ai essayé deux jours, et je me suis dit, ben, tu peux le reprendre ton truc parce que ben, il me fait plein de traces. Donc là, je vais acheter le Carolin, comme elle m'a dit, je sais plus son nom. Et après, il y en a une autre, elle m'a dit du vinaigre blanc, mais ça, j'avais l'intention de le faire aussi parce que, ben regardez, je sais pas, ça me fait plein de traces. Donc là, c'est encore, c'est sale d'hier. Donc, comme je dis, je vais bien le décaper, vous voyez? Je vais bien le décaper. Et puis voilà, donc là, à 1h30, parce que là, ma fille, elle va plus tard arriver avec mon petit-fils. À 1h30, elle vient me chercher. Et je pars pour les lunettes à l'âne. Je vais faire quelques courses. Alors ce soir, ça va être du pavé de saumon avec une purée maison et haricots verts. Voilà. Demain, ça sera chou-fleur au gratin. En tout cas, vous êtes bien gentils parce qu'il y en a, ils mettent des menus. C'est bien ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'anniversaire. Et puis voilà, donc écoutez, je vais vous reprendre tout à l'heure parce que ma fille, elle va arriver. Et voilà, il fait de la peinture. Tu m'en peintures quoi, mon Lalou? Dinosaure. Voilà. Et c'est mon amourette. Alors, je souhaite à toutes les femmes et aux hommes une bonne fête de Saint-Valentin. Dis bonne fête de Saint-Valentin, Loulou. Attends. Attends. Donc voilà. Donc nous on n'est pas Saint-Valentin, donc nous on fait jamais rien. On n'a jamais rien fait, même quand on était jeune ou quoi. On n'a jamais rien fait. C'est pas notre truc. Voilà quoi. Donc lui il s'appelle comment son le dinosaure là? Nounou. Nounou. Il s'appelle comment ton dinosaure? Là, je sais pas. Ben, il sait pas. Donc c'est un dinosaure en plâtre. Et puis il y en a plusieurs, hein, mais il a ramené qu'elle. Et puis il m'en peinture, après il l'a séché, puis il va le mettre à sa maison. Ah oui, mon amourette. Non, je vais venir dans mon jardin. Il va le mettre dans son jardin, dans ton nouveau jardin. Parce que l'IS, c'est une nouvelle maison, ah oui. Bah oui, c'est le terrain. C'est la maison du terrain, il appelle comme ça sa nouvelle maison. La maison du terrain, comme c'est une construction. Parce qu'au début, quand il y allait, c'était un terrain en fait. Et après, il a vu que ça a commencé à mettre la maison sur le terrain, puis il appelle la maison du terrain. Ah oui, mon amoureux. Tout T'as fini. tout fini? Ben non, il faut encore. On va le laisser sécher, puis après on va le retourner parce qu'il faut faire le en dessous. Donc j'ai déjà une machine qui tourne. J'ai dépendu le linge. Voilà. Voilà, regarde. C'est bien mon cœur. Donc ma fille elle a ramené le déjeuner. Elle dit, ah, ben, j'ai ramené des petits pains. Ah, attendez, hop. Ah ouais, alors c'est des grands petits pains, voilà ce qu'ils sont grands, regardez. J'ai dû t'amener des grands pains. Elle dit, ouais, ils n'avaient plus que ça. Donc voilà. Et comme elle n'avait pas déjeuné, elle dit comme ça, je peux déjeuner. Elle l'a pris à Louise. Donc de là, je commence à faire un petit nettoyage, mais vite, vite, vite fait, parce que j'avais fait hier. Et là, c'est juste à faire je mets du produit de savon de Marseille de chez Lidl sur ma petite table. Et je laisse agir un petit peu. Je dis à Alan, dépêche-toi, parce que l'heure, elle tournait. Mais Alan, franchement, le matin, c'est cool, quoi. Oh, il y a le temps.
Et moi, je suis là, dépêche-toi, tu vas être en retard. Il dit, mais non, voilà, vous voyez, je pense que toutes les mamans, ils doivent être pareils avec leurs enfants. Dépêche-toi, l'heure, elle tourne, je ne veux pas que tu sois en retard. Et le gamin est là, mais ça va, non, je serai pas en retard, ça va. Donc, de là, il joue au ballon avec Liesse. Alan, et puis moi, je faisais vite fait mon fauteuil, je donnais un coup de microfibre sèche, j'ai enlevé les coussins, j'ai secoué mon plaid, et puis après, j'ai mis du pitch, là, le rose de chez Action là, à la cerise. Oh, mon Dieu, c'est une dinguerie aussi, ce style-là. Mon Dieu, je le kiffe, je l'adore. Oh, waouh, franchement, ils devraient faire le produit multi-surface comme ils ont fait pour à Noël et Nouvel An, et Halloween, le novembre. Ils avaient fait le marron et le rouge, vous vous rappelez? Et là, ça serait bien qu'ils sortent le truc. Et apparemment, à Action, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais les produits roses, là, vous savez, il y a le rose, vert et bleu. Et apparemment, le code barre du rose, il est barré à Action. Et apparemment, quand le code barre est barré, c'est qu'ils ne vont plus en recevoir. Donc, ça tourne sur TikTok. Je ne sais pas si c'est vrai, mais vous, si vous allez souvent à Action, regardez. Et si jamais c'est vrai, bah, écoutez, laissez faire votre petit stock parce que, bah, apparemment, il n'y en aura plus. Moi, comme je change tout le temps de produit, je ne suis pas accro aux produits, quoi. Moi, j'aime bien tout le temps changer de produit. À part mon savon de Marseille de chez Lidl et mon Lacroix. Bon, j'avais Lacroix. Sinon, après, j'aime bien toujours changer de produit. Je ne vais pas faire de stock de produits parce que je sais que ça va, à un moment, ça va me lasser. À toujours sentir la même odeur, ça va me lasser. Donc, je change tout le temps. Et puis, de temps en temps, je dis, ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, lui. Puis, je le prends, vous voyez. Et apparemment, j'ai attendu aussi qu'il y aurait au mois de juin sur Lille. Alors, il y aura un nouveau magasin. Il va être concurrent avec Action. Alors, c'est des magasins qui sont aux Pays-Bas, en Hollande et Belgique. Et il s'appelle, ben je sais plus. Apparemment, il y en a un qui va ouvrir le 25 juin sur l'île, le premier. Mais je ne sais plus son nom. Franchement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas Teddy Géard de ce magasin. Ce n'est pas Action, c'est un autre nom. Et après, apparemment, ça sera un concurrent de Action. Donc, si j'ai bien compris, il y aurait 127 magasins qui va ouvrir dans toute la France, mais le premier va ouvrir, je vous dis, le 25 juin ou le 22 juin, enfin, je sais que c'est fin juin sur l'île. Donc, si je me rappelle du nom, je vous le redirai, mais parce que là, non, ça me rappelle, je me rappelle plus. Donc, voilà, donc j'avais laissé agir, donc le temps que le produit agissait, j'avais frotté mon fauteuil. J'ai bien remis mon plaid, mes coussins, j'ai mis le pitch rose, ben la bouteille elle est sur le fauteuil. Et de là, j'ai frotté ma table. Donc je la frotte bien. Alors, mes petits chats, je vous filme comme ça pour faire une vidéo de fin, parce que je me suis aperçue au montage que je n'avais pas de vidéo de fin. Donc, ben, écoutez, désolé, hein, il y a mon trépied là-bas, il y a Blibli à la télé. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, faites-leur regarder ces Blibli sur YouTube. Moi, mon petit-fils, il adore ça. Donc, c'est un monsieur, et il fait plein de créations, en fait. Il fait du verre, enfin, des vases avec du verre. Comme là, il va faire un truc avec des arbres, des branches d'arbres, tout ça. Franchement, moi, mon petit-fils, il est à fond dans Blibli, c'est Blibli, quoi. Donc, c'est sur YouTube. Donc, j'ai enlevé l'eucalyptus de mes tulipes. Je me suis dit peut-être qu'ils étaient trop compressés. Et puis, c'est peut-être à cause de ça qu'ils deviennent tout patapon. Donc, la fleuriste, elle m'avait dit, surtout, tu mets juste un petit fond d'eau parce qu'une tulipe, si tu remplis d'eau, elle va vite se développer, puis vite pourrir. Que si tu mets un fond d'eau, elle m'a dit, tu regardes tous les jours, si ça baisse, tu rajustes, mais il faut vraiment que ça fasse un fond d'eau, quoi. Et elle me dit, ça va mettre plus longtemps à s'ouvrir. Donc, écoutez, je vais laisser comme ça, voir si elle va vite se... Parce que j'aimerais bien qu'elle s'ouvre avant de les jeter, quoi. Surtout qu'elles sont belles. Donc, j'irai rechercher un bouquet la semaine prochaine parce que le bouquet là-bas, hop, il est encore super bien, hein, regardez. À part le mimosa, mais il est encore super bien. Donc, j'ai vu qu'elle avait des lys, parce que mes lys, vous le savez maintenant, c'est. Oh, voilà, orchidée lys et pivoine, c'est mes fleurs. Voilà. Donc, je prendrai, j'ai vu qu'elle avait des lys orange. Donc, la prochaine fois, je lui demanderai des lys orange. Ou alors, je me ferai un petit bouquet avec des roses. Les roses aussi, c'est beau, tu sais. Donc, je sais pas, je verrai. Parce que même à mon grand carrefour, il y a un fleuriste là, qui a mis fleurs. Et c'est vrai qu'il y a des super belles fleurs. Donc, je ne sais pas si j'irai à mon fleuriste là ou à mon carrefour, quoi. Donc, voilà. Donc, sur ce, mes petits chats,
Je vous souhaite une excellente journée. Donc demain, ça va être journée ménage. L'autre, alors, je vais acheter le briochin que l'abonné m'a dit. Je m'en rappelle plus son nom. Alors, si tu... si tu te reconnais, je te fais des gros bisous et merci de m'avoir dit le briochin savon noir, séchage rapide, je crois. Donc voilà. Donc si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous mettez-moi des gros soleils. Alors demain, je vous dis journée nettoyage. Pourquoi? Parce que demain, ils annoncent une belle journée. Donc l'après-midi va faire 16. Donc c'est toujours les températures à l'ombre. Donc je me dis, il fera peut-être 19, tu vois. Donc j'ai bien aéré ma maison. Je vais laver tout à grande eau, tout bien comme ça va être propre pour ce week-end et tout. Et vous aurez la vidéo en 2 jours. Donc demain et puis vendredi. Et je vous programmerai, enfin, je ferai en sorte de vous programmer toujours les vidéos 15h. Parce que je trouve que quand c'est à 15h, maintenant si vous voulez plus tard, dites-le moi. Mais parce que je trouve que 15h, ça prend bien au niveau des vues et tout. Mais si vous voulez par exemple 16h, 17h ou quoi, dites-le moi. Surtout n'hésitez pas à me dire à quelle heure que vous voulez que je vous mette la vidéo. Dites-moi pas au matin parce que comme je fais déjà au matin, moi j'ai pas d'avance. Donc c'est impossible. Il y a des mois, je prends de l'avance et j'ai déjà mis au matin, mais ça prend pas du tout. Donc dites-moi à partir de 15h15, 16, 17, 18, dites-moi. Si vous arrivez à ce stade-là, mettez-moi des gros soleils. Dites-moi surtout à quelle heure que je dois poster la vidéo. Si je n'ai pas de commentaire en disant bah, je veux que tu postes à telle heure, je mettrai toujours à 15h. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de cliquer sur le j'aime. Pour celles et ceux qui sont toujours pas abonnés et qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo. Avec qui? Avec Nathalie. J'aime bien ce qu'elle... Doudou, il bouge. J'aime bien parce qu'à des moments, il y a des abonnés, ils me disent à demain avec Nathalie. Puis ils disent Lee, vous voyez, oh, je suis trop contente. Les gens, ils sont adorables. Allez, je vous laisse. Bye bye. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, mes petits chats. Prenez soin de vous.